Technology can be applied in interesting and useful ways for educational innovation, for improving access and quality to education. A lot of our focus is on work at MIT, teaching and improving teaching and learning at MIT, but extends to initiatives around the world, such as the one here in Haiti. Nous avons choisi des axes côté MIT capables d'appuyer, notamment formation des maîtres, notamment introduction technologie, notamment des disciplines côté grand pile retard dans le curriculum noir, notamment les sciences naturelles. Et le logiciel que nous avons ouvert aujourd'hui, que nous avons commencé à aborder aujourd'hui, sont logiciels que les Star by Chem. D'accord? Une particularité logiciel ça, c'est que c'est un logiciel qui fait en créole. D'accord, côté que on peut manipuler tout et son ouais dans le logiciel là en créole. Atelier ça qui sous apprentissage actif qui sans barrière, sont nous ce qui est important parce que dans ce pays ça depuis deux siècles l'éducation toujours servi comme barrière contre majorité population. Donc, objectif nous, dans le travail ça qu'on a fait ensemble, avec tout pionnier qui l'a eu, justement, c'est écraser barrière ça. Those visualizations are not about looking at pretty pictures. It is about students being able to go grab, selectively grab an image, study it, make comparisons, so do things with it. So we try to create interactive visualizations and simulations that lead to deeper learning. L'approche pédagogique évolue en pile. Aujourd'hui, on est capable de prendre des shortcuts, donc nous allons prendre des raccourcis. On a pu utiliser des technologies que nous mettons à disposition et mettre et élèves, tout, donc, et apprenants, et enseignants. Donc, utiliser savoir-faire MIT, c'est un bagage qui permet que nous avancions plus vite.